Attends, on est archi bien là. Archipel. Non, on est archipel. Oh. Et donc salut à tous ceux et à toutes ces Mister Apple, j'ai pas prévenu les autres comme ça, c'est fait. Bah ouais, hein. Et boum. Surprise, aujourd'hui on se retrouve sur la tour à minerai. Bon sur Archie. Attends, du coup elle est où ta tour? Elle est là-bas. Et là je suis en train de miner le diamant, c'est ça qui est le plus important. Ah, ça va faire du bien pour un personnage comme ça. 30 diamants. Ça va. Pas dégueu. Firekill ça pue là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la taxe, frère. On est en France, hein. Oh, attends, non. Hey, on me taxe pas. Pourquoi tu m'as tiré une flèche? Quoi? C'est pas moi? Attends, il y a du poulet dans l'eau. Ouais, c'est mon poulet. Ouais, je regarde ce qu'il y a d'autre. Dans l'eau, il n'y a vraisemblablement rien. Bon, c'est pas grave, c'est un casque, on s'en bat les couilles. Tiens, prends ton poulet. Ah, si, il est là, je l'ai. Tiens. Ouais, t'es où? Ah, t'es là. Il te restait combien de cœurs en fait? Attends, tiens, hop. Bah, il me restait 2 cœurs, tu sais, un truc comme ça. Putain, qui est invisible là? Non. Quelqu'un d'invisible. Sarknons, tu sais. Non, et t'as vu, je t'ai rendu ton casque. Ouais, je sais, t'inquiète. Ah, une bulle. Non, mais il y avait des blocs qui se détruisaient tout seuls là, juste devant moi, c'était chelou. Bah, ça, c'est le rollback, tu vois, c'est la connexion mentale. En tout cas, c'est pas moi, je touche ton endroit. Ouais, c'est parti, ouais, qui est en bas. Ah, c'est bon, je sais. Oh, Minecraft. J'ai vu. C'est Minecraft, je lui donne un coup. Ah, putain, il est là. Arrête, il me tire dedans. Allez, c'est bon. En plus, je lui ai tiré un coup, hein. Je lui donnais un coup de flèche, enfin un coup de d'épée. Et il a pris vachement cher. Et puis moi, j'ai pas de. Ah, oui, attention, t'as ton épée dans ta main. Attends, mais je vois des blocs qui disparaissent. Je me dis, what the fuck. Il y a autant de rollback. Tu sais, j'aurais pu tirer une flèche 15 fois au moins. Le pire, si je vois, du coup, je vois des blocs monter ici là. Du coup, je fais. Et du coup, coup d'épée, mec, il perd. Ah, j'en ai marre de ma coque. Ah, ouais, d'accord. Ouais, mais là, je sais pas. En plus, c'est une vieille tour de boost, j'avais pas vu. Moi, je l'ai vu une fois. Oh putain, mais je l'ai. Je l'ai vu pas. Ah non, c'est moi. Ouais, des fois, j'ai vu qu'on a le spawn. Ah, mais je l'ai vu passer. Ah, bah non, c'est moi. Oh putain, okay, c'est bon. Filmé en plus. C'est le gros parano. Oh mon dieu, y'a quelqu'un. Non, c'est mon ombre. Le gars, il est pas serein, tu sais. Putain, il est où? Les gars, ouais, je vois des gens, ils sont morts. Ok. Alors. Ce qui est bien, c'est que vous partez totalement à l'opposé d'où je suis en fait, donc c'est plutôt cool. Ah, bah merci de nous donner des indications. Oh putain. Bon, j'ai un bon petit moyen de regarder où il est. Oh. Fuck. Oh putain. Comment gâcher une popo d'invisibilité, hein, les gars? Les bons tutos. Mais en plus, je suis tombé dans le bloc où il y avait l'eau, quoi. T'es tombé où? Très précisément là où il y avait de l'eau. J'ai filmé en plus, c'est beau, putain. Une belle mort. Aïe, il est tombé là. Mais en fait, ouais. Je le vois, j'ai vu qu'il perd sa tour. Je lui tire dedans, je vois ma flèche disparaître du coup. Non, c'est pas toi qui m'as eu, hein. C'est moi qui suis tombé comme un con tout seul. Ah ouais? Putain, il y a un éclair qui est passé à 2 cm de moi. J'étais sur l'eau KLM avec mon bateau et là. Bon, qui me tire dessus là? Non, j'ai rien fait. Allez. Ah là, c'est pas moi cette fois-ci. Hein. Attends, allez. Aïe. Allez, mine ta tour, Paul. Monte ta tour. Non, je la démonte. Oh. Désolé. Va te coucher. C'est qui a fait une tour en bouse là? Oh, c'est très drôle, Arnold. Oh, ça a pas marché. C'est mignon. Tiens ton charbon. Merci, mon dieu. Aïe. Ah, c'est pas moi là. Ah, c'est Thibaut. Salut. Oh, attends, ils ont spawné sur la piscine de Paul. Oh, la piscine de Paul, ils ont spawné. Go fight. Ils commencent vraiment à faire chier, c'est chier. Bah, c'est pas sûr. Hein. Bon, en tout cas, il y a un éclair qui a popé avec un gros chelou. Ouais, mais c'est pas forcément que. Oh, comment c'est jamais pas ça. Drôle. Oh, allez, go. Oh, ça sert tellement à rien. Journée piscine. Je pense que si on explose. C'est ça. T'en as archi bien là.
Archipel. Non, archipel. Oh. Et pour creuser un archi-trou dans lequel on se baigne. Ah, ah. Bien joué les gars. J'essaie de... Non putain mais. Là. Ça va mal aller Arkman. Tu vas voir le message Westline by bullying. Arrête, tu mords de rire là. Westline by bullying. Westline. C'est qui arrête, qui va rigoler? Arrête ou je te bute. Enfin, qui, non, moi je te tuerai pas, non, pas toi. Pourquoi? Parce que je suis l'admin. Oh, les mains en l'air. Paul, les mains en l'air. Attends. Mais le nom, attends, allez, dis le nom, Paul, dis le nom. Je vais te tuer avec, ça ira. Oh non. Allez, dis le nom, comme ça on le saura tous et tu seras pardonné. Pardonné de quoi? Putain, waouh. Pardonné de qui? Oh, tu... putain, oh les blagues. Thibaut, il a pas assez de noir à mon goût. Bah, c'est bête. T'as combien? Moi, j'en ai déjà... Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est pas c'est bête, c'est Edge Best. Désolé. Ah, le fail. Alors Thibaut, c'est pas marché. Oui. Oh putain. Alors. Alors Paul, on s'est pas marché. Non, attends, putain, mais. Ah, oui, mais... Ça c'est pas moi, c'est j'étais Firekill. Oui, mais je sais, j'ai vu. Oh mais, mec. Surveillez table les gars, putain. Excuse me. Tiens, je vais aller dormir chez moi, comme ça je vais plus respawn chez Minecraft. D'ailleurs, je t'ai offert un lit. Bonne initiative. C'est celui que je vais utiliser. Ah, tu ne vas même pas l'enlever de son cadeau de... Moi, je laisse en fait, je vais se retirer juste avant. Bonjour. ça fait bizarre comme ça. C'est Arknods. Toi aussi, je pense qu'il faut que tu meurs. Aïe. Oh, vous allez tous vous mettre sur moi, c'est la triche. Gamin. Il y a juste Paul en plus. T'as de la chance. Oh putain. Oh putain. Oh la pute. Là ça va m'aller. Oh putain. Le coup. Pourquoi il s'appelle comme ça ton arc? Ah, c'est du grec. Plus aussi. Et en plus il a même pas respawn dans mon lit. Dans son lit que je... Ah non, il l'a cassé. L'autre là. C'est un gamin. Putain. Ah, c'était tellement excellent. En plus tu vois, je voulais même pas te buter hein. Je t'ai donné une flèche quasiment. Mais attends, j'ai une armure en fer. Tu le one shot. Il fait trop le mec. Il fait trop le mec. Mais non, mais je suis désolé. Attends, j'allais prendre que le strict nécessaire parce que sinon quand je meurs. Coucou. Aïe. Paul il va absolument buter, tu sais. Eh, vous mettez pas à deux sur moi. Oh putain. Non, merde. Ah, oh, fais chier. Oh putain. T'es, je spawn encore chez... Ah, quel salaud. Alors Paul, t'as droit de me tuer. Attendez, ne me tuez pas. Paul, t'as droit de me tuer avec ton épée. Avec ma fameuse... Allez, tue-moi avec ton épée. Allez. Non. Bien joué. Ah, j'ai gagné des niveaux. T'es, j'ai fait KS. Non, t'as gagné des millions. Ça faut encore une mort. Non. Vous avez pas le droit. Non, aïe. C'est bon. Si c'est possible, je vais me retrouver à la personne avec le moins de morts. Oh, c'était magnifique. Vous avez pas le droit. Ah, il descend de la montagne, je saute, je tire une flèche, il tourne de suite à droite, il saute, il se prend la flèche. C'est bon, hein. Non, et il va crever, là. Il va crever. Je veux pas la mort bowling, moi. Oh putain, le turc, il va me buter vraiment. Attention. Plus, on voit mon magnifique coucou. Arc ultime. Coucou. Using Thibaut, quoi. Aïe. Tu sais que c'est une mauvaise idée, ça. Oui, ils viennent se condamner à mort, je pense. Oh, c'est mignon, ça. À moins qu'il ait fait 15 passages secrets dans cette magnifique tour.
Je pense pas. Oh purée, est-ce qu'il me tire dedans? Allez, viens, Paul. Allez, viens. Et voilà, c'est bon, j'ai ma vengeance. Ma vengeance finale. C'est bon. Et c'est bon. C'est j'ai eu mes 3 morts, c'est bon. Maintenant, je suis à 17, c'est de votre faute. Du coup, tu vas faire un accès pour ici? Ouais, après. Hop, oh, oh. Avant 2017. Ah. Peut-être oh, la mort? Non. Non, non, non. Merde, j'ai pas. Ah. Et pendant ce temps. Les dangers de la construction. Mais pendant ce temps. Ah. Attends, tire pas. Mais pendant ce temps. Ventre. Woodcraft, c'est. Les gars, la tour franchement, faites gaffe quand on construisait, hein, ça peut être mortel. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? La tour de bouse. Là, oui. Oh. En même temps, ça décore le paysage, hein. Bon, allez. C'est la trêve pour moi. Ah, par contre, je peux pas plus sortir de chez moi vu que c'est une vraie. Ok, je vais sortir tout nu. Que personne ne me tire dessus. Drapeau blanc, c'est. Attention. Ah mon dieu. Le drapeau blanc. Bon, c'est blanc. Bon, je suis maintenant. Hors de danger. Non. Parce que t'étais chez moi en plus, du coup, j'imagine. Ok. Toi. Non, j'étais chez moi. Bah pourtant tu reviens d'un endroit, donc peut-être que t'étais chez moi. Par contre c'est rigolo de voir le combat Thibaut. Tu filmes encore quoi? Oui. Oh putain, je vais me prendre une flèche perdue là. C'est ça, y'a des risques. Putain, j'ai vu un truc passer. Peut-être quel côté. Ah ouais, peut-être que c'est ce côté là encore. Eh mais c'est là que tu meurs à chaque fois en fait. Ouais. Attends, je vais essayer de te toucher. Attends, je tire au hasard mère, depuis la fontaine. Vas-y. Putain, mais arrêtez de poser des blocs là. Non, un peu plus vers la gauche, vers la droite. Par là. Attends, retire. Thibaut, je t'ai vu, on fait pas innocent. Hein. Parce que tu le dis. Trop, c'est beaucoup sinon trop. Sinon, on peut faire ça directement. Et Paul, t'as eu du bol, hein, Paul. Hein. Parce que t'es passé devant la flèche que je tirais, quoi. T'es sérieux? Non, Thibaut, je t'ai vu. On arrête, Thibaut. Non, mais hey, stop! Attends. Tire, mortier, boum. Boum. Mais qu'on va retomber sur lui. Ça. Vas-y, on fait ça. Waouh! Oh, ça a l'air cool ah, en plus. Presque. Ah, bien joué. Non, ça c'est Winkraft. Qui ouais, a pas du tout. Putain, ouais, j'ai la pluie de flèches, quoi. Non, mais les gars, je suis pacifique, moi. Et nous on est Atlantique. On est en blague là. Oh bien joué mec. On est Atlantique. Oh putain. Merci beaucoup attendez. Ok, donc on s'entend juste après le calme après la tempête. C'est avant normalement mais. Du coup, on se retrouve sur Archipel un peu plus tard. Donc, vous voyez, il y en a eu un petit moment de fight. Je pense que je vous aurais fait un best-of des meilleurs moments. Alors, ça va peut-être être un épisode un peu court. Mais je pense que Archipel va pas falloir s'attendre à avoir des épisodes très longs non plus. Je pense vraiment vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, entre guillemets. Enfin, quand il y a quelque chose d'intéressant, je vous le montre. Quand il y a des constructions, je vous montre ce que ça donne. Et du coup voilà, ça durera plus 15 minutes que 20 minutes. Voilà, faut s'y attendre. Je préfère vous le dire, voilà, plus on s'en fout au pire. Enfin, c'est vrai quoi, enfin entre 15 et 20 minutes, il y a pas grande différence. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben il s'est passé que la fontaine a eu une petite update, mais assez petite hein quand même, on peut le dire. Non, je déconne bien sûr, elle a une grosse update. C'est vrai que alors c'est Winkraft qui avait proposé au début parce que il aimait pas trop l'ancien spawn. Et c'est lui qui l'avait dit, qui avait fait faudrait peut-être qu'on change. Merde. C'est vrai que le spawn d'avant était pas super. Enfin, il était bien, mais voilà, sans plus. Et il avait dit ouais, faudrait faire une plus grande place et tout. Et moi, je me suis amusé. Alors, j'ai pris en fait plusieurs fontaines sur internet, là, sur des trucs de proposition Minecraft. Je les ai mixés ensemble et ça a donné ceci. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc. J'avais designé en créatif, ensuite Winkraft et Fabien était venu m'aider
pour mettre des petits détails, donc par exemple les petits trucs comme ça, pour ajouter un peu de couleur à cette fontaine. Et ça donne ça, en tout cas, au résultat final, et ça rend vraiment très bien avec le petit beacon au milieu. Du coup, ouais, ça rend pas mal. On essaie de la centrer un petit peu. Alors là, il y avait Thibaut qui avait commencé à faire la route. Je pense qu'il n'y avait plus d'un des hits. Je pourrais la fignoler d'ailleurs. Qu'est-ce que ça rend depuis. Comment ça rend depuis là? Oh ouais, ça. Attendez. Merde. Ah, ça rend plutôt pas mal, apparemment. Yep, yep, yep. Peut-être un peu sombre, du coup, j'ai l'impression. Bon. Ouais, ça sent pas mal, c'est pas mal. Avec le phare et tout. De loin, ça rend pas mal aussi. Ça a vraiment de la gueule. Tac. Ah, d'ailleurs, je me suis refait un peu mon stuff. Tac, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est cool. Du coup, ouais, on la voit de loin. Non, j'allais dire c'est le plus gros bâtiment, mais du coup, non, c'est le phare le plus gros bâtiment. Mais sur le spawn en soi, c'est le plus gros bâtiment, même si la maison de moi, enfin, surtout de Arknens domine. C'est quand même la plus grosse construction, je pense. Oh, faudrait voir. Du coup, je commence à me faire un début de stuff. Donc là, j'ai Death Rider, Feather Falling 4. J'ai pas Unbreaking, j'ai pas de Protect, mais ça viendra. Unbreaking 3, Protect 4 et Protect 3, Confinity, Respiration 3. Donc pour l'instant, c'est pas super. Mais c'est un stuff que je vais augmenter au fur et à mesure. Et puis de toute manière, pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin d'Unbreaking ni de rien. Puisqu'en fait, il n'y a pas de danger en spawn en soi, à part les joueurs comme les vu juste avant. Et un truc que je savais pas, c'est que le Feather Falling, je pensais que ça s'usait quand on tombait, un truc comme ça. Et en fait, non. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ah, attendez, est-ce que je vous avais montré... Non, je vous avais pas montré ça. Donc voilà, j'ai fait un petit endroit ici. Alors, le fauteuil du complot. Alors, ça, c'est une référence à rien du tout, mais... Parce qu'en fait, ici, je me mettais sur ce fauteuil-là et je tirais sur... Sur Thibaut qui construisait ce jeu-là, qu'on fera sûrement dans le prochain épisode. Et du coup, j'ai aussi fait un petit escalier, parce que ici, donc il y a forcément les trucs et tout ça, il fallait descendre, c'est plus pratique. Mais aussi parce que... Tadam ! Alors, je vous avais montré ce bâtiment en vous disant que ce serait l'usine à bois. Et finalement, je me la suis réappropriée, parce que c'est moi qui avais fait le pattern et que j'en étais plutôt content. Et puis que c'était trop petit pour une ferme à bois, je me la suis réappropriée pour en faire ma salle des coffres. Alors ça peut paraître étonnant de faire une salle des coffres à l'extérieur, et je trouvais ça original. Et vraiment ça rend bien, alors j'ai designé le sol. Alors par contre, c'est juste qu'il donne dans le vide et qu'il flotte, un peu comme les maisons avant. Alors je sais pas encore si je vais faire du terraforming ou si je vais faire... Alors ça c'est un délire, référence à ce que quand la maison volait en fait, c'était qui? C'était Wincraft et Thibaut qui voulait me faire des hélices en fait, un peu de style steampunk, vous voyez, des hélices qui en fait soutiennent la maison. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour moi, j'avais fait le terraforming juste avant qu'ils le fassent, donc bon, c'est dommage pour eux, mais ça aurait été plutôt drôle, remarquez, mais... Et du coup, je sais pas, il y a peut-être pas assez de place, mais essayez de trouver un moyen ici de soutenir ça, je sais pas. En tout cas, et pourquoi pas aussi, je me disais, parce que là, du coup, il y a des portes. Je me disais, soit mettre des fenêtres à la place des portes, soit faire une sorte de balade. Alors du coup, si je fais une balade, je pense que ce sera... Ou alors, on fait un truc abrupt. Abrupt. Oui, abrupt. En fait, on fait une balade, vous voyez, comme ça, et en fait, on fait juste un mur. Attendez, je vais vous montrer. Un peu comme genre dans des zones balnéaires, ou un peu comme ce qu'avait fait Wincraft par là-bas. Faudrait que je fasse un chemin aussi, ce sera plus pratique que de sauter. Tac. Vraiment, le spawn il rend vraiment très bien en ce moment là. Il commence à bien prendre forme. C'est où ce que je voulais vous montrer déjà? C'est un truc de Wincraft. Ah oui, voilà, c'est là. En fait, ça ferait un truc un peu comme ici, vous voyez. Là, ça fait un peu ça, ça fait un peu cette idée de balade. Donc avec des murs comme ça, un peu décorés, enfin même carrément décorés. Du coup, ça pourrait rendre pas mal, je pense. C'est vraiment à tester. Je testerai ça dans le prochain épisode, parce que là, j'ai d'autres choses à préparer. Hashtag Redwood. Mais voilà. Du coup, ça me permet de vous... Mais qu'est-ce que tu... Waouh, te calme, toi. Waouh. Calmos. Du coup, ça me permet de vous parler. Ça va être un peu la minute explication de petites choses. Tiens, on va dormir. D'ailleurs, je vous ai pas montré la petite prank de Wincraft parce que, enfin, cadeau plutôt, oui, effectivement.
C'est parce qu'en fait j'avais pas de lit, je dormais chez lui, du coup il m'a offert un lit géant sur lequel j'ai posé un autre lit. Bref, c'est l'Inception. Et on va mettre les shaders pour finir. Ça va être trop mignon comme. Non, pas les ressources pack. Les shaders. Du coup, oui, pour ce qui est de Redwood, j'ai eu des commentaires dans le dernier épisode qui me disaient à quand Redwood. Redwood ne va revenir, ne vous inquiétez pas là-dessus. J'ai très très envie de revenir là actuellement sur Redwood. La seule chose qui m'en empêche, c'est le replay mode. Parce que je pense qu'Archipel va rester une série un peu comme ça. Il y aura peut-être du replay mode dans le futur. Oh, elle rend très bien. Il y aura peut-être du replay mode dans le futur parce que vraiment, c'est quelque chose qui peut. Enfin, ça rend toujours bien de faire des petits timelapses. Genre là, on regrettait un peu avec Minecraft de pas avoir de replay mode pour faire la fontaine. Ça aurait pu être sympa, effectivement. Mais c'est vrai que j'adore, les shaders sont vraiment beaux. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas. On peut pas vraiment se le permettre en ce moment puisque le replay mode n'est pas là. Mais sur Redwood, mais du coup, ouais, Archipel va rester une série où il y aura du replay mode, mais où ce ne sera pas important. C'est-à-dire un épisode où il n'y aura pas de replay mode, ce sera pas grave en soi. Alors que Redwood, je suis parti dans un délire de vraiment vous faire des épisodes avec beaucoup, souvent deux timelapses, avec une intro et tout, quelque chose qui pète. Et en fait, j'ai pas envie de casser ça sur Redwood. J'ai vraiment envie que la série actuelle sur Redwood reste la même. Reste un truc vraiment badass sur lequel je prends beaucoup de temps à faire du montage. Et voilà. Du coup, Redwood... alors pourquoi pas du coup, ouais. Passer Redwood à deux fois par semaine, comme il y avait avant, quand le replay mode reviendra. Et pourquoi pas également aussi se faire du Archipel toutes les semaines. Donc, ça veut dire que Redwood serait à un autre créneau horaire. Alors peut-être... Par exemple, passer Redwood laisser Redwood le dimanche, ça me paraît pas mal. Et par exemple, passer Archipel le mercredi. Je pense que c'est un bon truc. Du coup, vous auriez un épisode de Archipel toutes les... Merde, j'ai plus de bouffe. Un épisode d'Archipel toutes les semaines, le mercredi, plus un épisode de Redwood super bien travaillé avec beaucoup de timelapse et tout, toutes les deux semaines, le dimanche. Voilà, votre petit rendez-vous. Et pourquoi pas également faire des chroniques de Redwood, hein, le petit truc que j'avais testé là, qui apparemment vous a bien plu, ce qui me fait bien plaisir parce que je suis bien éclaté à faire cet épisode. Et pourquoi pas aussi faire d'autres vidéos quand il n'y a pas de Redwood, ou pourquoi pas aussi ne pas faire de vidéos du tout, parce que parfois ça fait du bien aussi de faire des pauses comme quoi. Du coup voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc Redwood revient quand le replay mode revient, je vous ferai je pense un petit trailer pour vous dire je suis de retour avec un bon truc épique. Une semaine avant la sortie de l'épisode. Du coup voilà, je vous préviendrai quand ça reviendra. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir cette série Archipel. Voilà, ça vous plaît aussi quand même, et ça permet de patienter un peu en attendant Redwood qui reviendra très bientôt. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.